Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une deuxième partie de la semaine promo beauté Leclerc. C'était pas prévu, puis en fait là je suis retournée dans deux Leclerc, du coup j'ai encore un peu craqué, on va dire. Je vous montre rapidement avant l'achat que j'ai fait hier à mon travail, donc je vous ai mis la photo déjà sur Instagram. C'est un manteau comme ça, bimatière. Voilà, donc là vous avez toutes les manches en simili cuir avec là la petite fermeture, voilà, vous pouvez l'ouvrir comme ça, même le BC+, hein, peu importe. Hop, là, vous avez les poches. Bon, derrière, voilà, il est assez simple. Hein. Voilà. Il est un petit peu plus long, en fait, le niveau de la longueur de mes mains. Il est assez... enfin, pas très très long, il est juste la bonne... il est mi-cuisse, on va dire. Vraiment la bonne longueur. Donc, il était à 39,99€ et je l'ai payé donc 28€ je crois avec ma remise. Donc il y avait aussi beige et j'ai vraiment hésité, franchement j'ai hésité longtemps et en fin de compte je me suis dit bon allez je prends noir parce que cet hiver je voulais déjà en acheter un noir comme ça et au final du coup ça tombait bien. Je l'ai pris en taille S parce que je sais pas, taille M, les manches étaient trop grandes, du coup j'ai pris taille S. Et voilà pour ça, la petite parenthèse est finie. Au moins je vous l'ai montré, si vous voulez vous avez la photo sur mon Instagram. Donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite par le premier Leclerc que j'ai fait. Donc en fait j'y suis allée le jeudi, le lendemain de la promo normale. Mon trépied est en train de tomber. Je suis en train de voir ça. Donc j'y suis allée le jeudi, le lendemain des promos normales, ça avait commencé mercredi. Et là j'y suis retournée seulement une semaine après, donc là on est jeudi aujourd'hui. Parce que bah, j'ai pas pu, je travaillais et tout. Et du coup ça se finit, on est le 22, ça se termine le 24, donc bientôt. Mais il y avait encore pas mal de trucs quand même, mine de rien. Donc je me suis pris les trois cottage comme ça. Donc ça c'était 1€ chaque, donc enfin 3€ le lot de 3 en fait. Et je pensais que j'aimais pas du tout l'odeur, donc c'est le lait de réglisse. Je pensais que j'aimais pas du tout, j'ai même pas cherché à sentir. Et là hier j'ai vu la vidéo de... je sais plus son nom. Je sais plus. Enfin bref, et elle disait qu'elle aimait bien, du coup je l'ai senti et c'est vrai que c'est... En fait j'aime bien l'odeur. On peut pas dire que ça sent vraiment trop le réglisse, enfin je sais pas, c'est une odeur assez, assez sympa en fait. Donc ça voilà pour ça. Ensuite... j'ai pris des savonnettes comme ça, j'avais pas vu non plus qu'il y en avait. Mon savon comme ça à l'amande douce, donc vous en avez 6, c'est un format familial. Et ça c'était 3,10€ moins 0,93€. Bon voilà, ça valait le coup quand même. Je sais que j'adore les savonnettes, mon savon, donc en plus à l'amande douce, autant vous dire que j'adore. Ensuite, j'ai repris en fait les lots 2 de Signal White Now, c'est mes dentifrices préférés. Ça c'était 2€ et quelques je crois. Oula, et mon trépied il est... en fait il est pas calé comme d'habitude parce que le chargeur est branché. Et parce qu'en fait ça fait deux fois que je recommence la vidéo. Et du coup c'est pour ça que c'est en train de déraper. J'espère que ça va pas tomber d'un coup. Bref, ça c'était donc 3,90€ moins 1,56€. Donc 2€ et quelques, enfin ça valait le coup pour deux dentifrices comme ça. Ensuite, ma mère a repris le John Frieda, comme ça, donc le shampoing éclaircissant. Ça, c'est pareil, toujours le même prix, hein, je crois que c'était 3€ et quelques, je vais pas vous dire précisément, mais je sais plus, 3, genre 3,50€. Ça n'était pas hyper donné, mais bon, apparemment, il fonctionne bien, donc du coup, je le testerai en même temps. C'est le shampoing éclaircissant. En fait, c'est dès que je pose quelque chose au rebord. Super, tout va bien. Cette vidéo est une catastrophe. Ensuite, je me suis pris le lot de 2 des huiles... démaquillante sensationnelle de chez L'Oréal, éclat sublime. Donc ça j'avais pas pris l'année dernière et apparemment c'était vraiment très bien, ça avait bien, bien marché. Du coup j'en ai pris cette année et ça c'était 9,90€ moins 3,96€. Donc le lot 2, voilà, ça valait le coup. Du coup je vais poser ça par terre, j'ai pas envie que la caméra tombe. Ensuite c'est pareil, quand j'ai vu encore la vidéo de... je sais pas pourquoi je me rappelle plus son nom. C'est grave. C'est sur le bout de la langue. Enfin bref, je sais plus. Ça va me revenir. J'ai vu qu'elle avait pris ça et c'est vrai que c'est le bon plan. C'est les gels douche Vendôme. Douche et bain émollient sur gras pour peau sèche. Et là, c'est lait amande douce et calendula. Et moi, j'adore l'amande douce. Donc
Vous avez quand même 750 millilitres, c'est énorme. Hein. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte par rapport à ma main. Voilà. Et ça, c'était 2 euros et quelques. Hein. Je me souviens bien du prix. 3,10 € moins 93 centimes. Donc, ouais, voilà, 2 euros et quelques, ça valait vraiment, vraiment le coup. Ensuite, j'ai pris ça de chez L'Oréal, la Sublime Bronze. Sérum autobronzant extraordinaire, effet retour de vacances. Ça, en fait, donc il y avait soit en spray, soit en mousse ou en comme ça, sérum. Et j'ai préféré prendre ça, je me suis dit que ça durerait plus longtemps, en fait, pour le prix, voilà. Et du coup, enfin ouais, donc voilà, j'ai pris comme ça. Et ça, c'était 9,50 moins 3,80 €. Voilà, donc ça faisait 7 euros et quelques, je crois. On verra, on testera. Il y a des petites nacres dedans. J'espère que ça va pas faire trop orange. Moi, c'est ce que j'ai peur avec les autobronzants. D'ailleurs, j'en mets jamais parce que ça me fait trop peur. Hop. Ensuite, j'ai pris celui-ci. C'est pareil, ça, je savais pas que c'était en promo. C'est de chez Rimmel, donc la laque à lèvres 303 apocalyptique. Je vais y arriver. Ça, il y a plein de trucs en fait. Je ne savais pas que c'était en promo, c'était pas dans le catalogue. Enfin, moi j'ai pas vu. Et du coup, j'ai pas pris. Et quand j'ai vu les vidéos des youtubeurs, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de choses qui étaient en promo que j'ai pas pris. J'étais un peu dégoûtée. Ça, c'était 5,95 moins 1,79 €. Voilà. Du coup, c'est un point là, je savais pas trop. Et ensuite, j'ai pris le déo Rexona, comme ça, maximum protection. Donc, j'ai pris le rose. Il y avait le bleu aussi, j'avais entendu qu'il puait. Et en fait, j'ai senti. Et ça pue, ça schlingue, franchement. Même le rose, je peux pas dire que je suis hyper fan de l'odeur, mais bon. Apparemment, ça fonctionne très bien. Donc, je verrai, je testerai. Et ça, le déo, c'était 3,90 moins 1,56 €. Donc voilà, ça valait le coup. Si franchement ça fonctionne bien, bah moi je suis preneuse. Hein, je vous en dirai des nouvelles. Et ensuite, j'ai pris. Je passe pas tout tomber. Enfin, ça, c'est ma mère du coup qui l'a pris le lot de deux comme ça, des shampoings ultra doux, pardon, pour cheveux secs. Moi j'avais déjà pris, du coup, elle l'a pris aussi pour elle. Ça, les ultra doux. C'était 4,14 € moins 1,24 €. Ça devait faire 2 euros et quelques, je crois. Moi, du coup, je me suis pris cela à la mangue et fleur de tiare pour cheveux secs et abîmés. Voilà, franchement, j'adore cette odeur. Du coup, je l'ai pris en shampoing. Alors, c'était un peu le gros dilemme parce que, du coup, en après-shampoing. J'ai pris cela comme ça au miel, trésor de miel, cheveux fragiles et cassants. Alors c'était le dilemme parce que je savais pas. Au départ j'avais pris les deux shampoings. Et après j'ai dit, oh, c'est vrai que ça fait pas mal de shampoings, sachant que j'en ai déjà pris pour cheveux secs la dernière fois et pour cheveux colorés. Donc ça me faisait 6, 7, 8 shampoings même d'ailleurs. Et du coup au final. Je savais pas, donc au final j'ai pris celui-ci en shampoing pour cet été vu l'odeur et tout. Et ça, l'après-shampoing, voilà, ça nourrira les cheveux et tout au miel, voilà, je veux dire. Parce qu'en fait, j'ai que des masques, j'ai pas d'après-shampoing. Bon, pas trop la différence, hein. Pour moi c'est un peu la même chose, à la limite. Après-shampoing, ça démêle peut-être plus, mais bon, voilà. On verra bien, donc du coup j'ai pris un seul après-shampoing de la gamme Ultra Doux et c'était le même prix. Et donc c'est tout. Et ensuite, je suis allée donc dans un autre Leclerc. Et du coup, alors, j'ai pris les gels apaisants comme ça, intimes, de la marque Intima. Donc il y avait soit à l'aloe vera, soit à la grenade dans l'autre magasin. J'ai voulu le prendre, j'ai oublié en fait, j'y suis pas retournée. Du coup, j'ai pris dans l'autre Leclerc et il n'y avait plus qu'à l'aloe vera. Donc on verra bien, hein, de toute façon, voilà. Voilà, on verra bien ça. Donc ça, c'était le lot de 3. 5,70 moins 1,70 €. Voilà. Donc pour un lot 3, autant vous dire que ça va me faire une vie parce que ça, voilà, je m'en sers pas forcément tout le temps. Mais bon, on verra bien. Ensuite, du coup, la première fois que j'étais allée au Leclerc, j'avais mis ça dans mon panier et la poudre Rimmel. Et en fait, je me suis dit, bah non, c'est pas en promo. Du coup, j'ai reposé comme une grosse débile. Et en fait, j'ai vu que tout le monde en avait pris. Et dans le premier Leclerc, j'étais dégoûtée. Il n'y avait aucun des deux. Surtout la poudre, en fait, que je voulais. J'étais dégoûtée et tout, c'est pour ça que je suis un peu retournée dans l'autre Leclerc parce que je dis oh punaise, il y en avait plein et tout. Et j'ai bien fait d'y retourner parce que du coup, j'ai réussi à voir, bah les deux étaient au même prix. Hein. C'était 6,90
moins 2,07 euros. Voilà. Donc la poudre Stay Matte, j'en ai encore, hein, mais elle est tellement bien et voilà, bah, c'est encore mieux quand on est en promo. J'ai repris un teint transparent, j'hésitais à prendre une teinte plus foncée, mais bon, j'ai repris le transparent. Et du coup, le fond de teint Rimmel Match Perfection, fini parfait sans trace, on verra bien, hein. Il y avait plein de teintes, je ne savais pas trop quoi choisir. Je me suis dit, je vais pas prendre l'ivoire, ça va encore être trop blanc. Et ma mère veut à tout prix que je mette un fond de teint un peu plus coloré parce qu'elle me trouve vraiment blanche. Bon là, je précise que vous m'avez en face de la fenêtre, hein. Sinon, je suis pas si blanche dans la vie, hein. Je vous fais pas peur. Du coup, je vais prendre une teinte 201 classique beige. Donc voilà. Et voilà comment il est, hein. Il a l'air d'être. Il a pas l'air d'être trop foncé. Bon, on verra bien de toute façon, hein. Maintenant que c'est fait, ça le problème c'est qu'on ne peut pas tester. Ensuite j'étais trop contente, j'y ai repensé en fait après parce que en fait j'ai été voir en rayon quand même parce qu'il y a plein de choses qui n'étaient plus dans le rayon promo mais en fait en rayon ça marchait aussi. Hein. Donc ça le gommage 4,09 € moins 1,23 €. Ça j'étais super contente parce que depuis le temps que je veux le tester j'en entends beaucoup parler. C'est du petit Marseillais, soin gommant, corps hydratant pour peau très sèche, karité, sucre roux et huile d'argan. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le tester. Hop. Ensuite, alors là, gros dilemme, j'ai vu ça, enfin avec ma mère, on l'a vu. Et je dis, ah, il n'est pas en promo celui-là et tout, il n'y avait pas. Et au final, elle l'a pris et elle m'en a offert un, du coup, on en a deux comme ça. Ça, c'est exactement ce qu'il me faut depuis le temps que je veux un shampoing comme ça. Du coup, je prends un shampoing pour cheveux secs l'été parce que voilà, on a le soleil et tout. Mais là, c'est vraiment spécifique. C'est à l'huile de monoï et néroli pour cheveux exposés, soleil, mer, piscine. Donc, ça élimine le sel, sable, chlore, nourrit, satine et protège. Et je suis hyper contente quand je vais aller en vacances. Je vais l'utiliser direct. Je suis super contente. L'odeur. Ouais, ça sent bon. Ouais, franchement. J'adore, ça sent trop bon. Je suis trop pressée de le tester en fait. Je suis trop pressée de partir en vacances. Et ensuite, donc j'y ai repensé en fait dans le magasin. Je dis à ma mère, ah au fait, je voulais acheter des gélules cette année pour le bronzage, pour préparer ma peau au soleil et surtout pour garder le bronzage parce que moi j'ai une peau très blanche et du coup ça part super vite. Je crame et je perds tout de suite. Et du coup, on a été voir dans le rayon un peu. Comment ça s'appelle? Oh, je sais plus comment on appelle ça. Des. Super. Oh, des compléments alimentaires. Voilà, je vais y arriver. Et du coup, il y en avait pas mal. Il y en avait à 6 euros. Et en fait, c'était juste pour 3 semaines, je crois. Et j'ai dit non, mais moi, on m'a bien dit que c'était 2 mois avant et tout. Du coup. Et d'un seul coup, je lève la tête. Et là, super contente. Je trouve ceux-là, les Optima. Donc, ça, c'est pour 2 mois, apparemment. Et c'était moins 40%. Donc ça, du coup, vu que j'en ai pris deux, c'était 18,98 moins 9,50 €. Voilà. Donc en fait, un, c'était 4 euros. Donc du coup, voilà. Les deux. Donc bronzage éteint soleil, prépare actif, prolonge le bronzage. Donc là, ils disent 2 mois complets. Donc moi, du coup, j'ai préféré en prendre deux parce qu'ils vous disent... Au moins 15 jours avant l'exposition pour bien préparer la peau au soleil, idéalement un mois avant. Voilà. Et puis pendant toute la durée d'ensoleillement et 15 jours après. Donc là, je pense que je vais le commencer en juin. Donc après juin, juillet, août. Bon, ça durera jusqu'en septembre, on verra bien. Au pire, j'arrêterai en août, hein, je m'en fiche. Enfin, au pire, quitte à garder le bronzage. Du coup, j'en ai pris deux. Il est là. J'en ai pris deux comme ça. Donc je vais vous montrer ce que j'en ai quand même ouvert un. Alors ça pue. Franchement, je vais peut-être vous dégoûter, mais moi je trouve que ça sent le truc, la bouffe pour poisson. En fait, c'est dégoûtant, c'est hyper dégoûtant. C'est comme ça. Oh, j'en ai fait tomber un, super, ça commence bien. C'est comme ça, voilà. Et ça pue, je vais même pas le ressentir d'ailleurs. Donc ça, faut en prendre deux par jour. Mon flacon est très très simple, hein. Optima comme ça. Comme... Donc voilà, deux par jour, de préférence pendant le repas. Et voilà. Si ça vous intéresse, c'est à moins 40%. Et puis voilà deux petits trucs que j'ai pris, je vous montre en même temps. Je me suis pris des nouilles chinoises comme ça parce que j'adore ça. Donc dès que je vais dans différents magasins, j'en prends. Ça c'était. Ah bah j'ai pris le ticket. Donc là j'ai pris au curry et là au poulet. Voilà, je crois que c'était 79 centimes, un truc comme ça, vraiment pas cher. Et là,
Donc c'est pas des promos, mais je vais vous montrer, je pense que vous allez être ravis. Moi j'étais super contente. Ça fait depuis que j'ai commencé ma chaîne où je veux des rangements en acrylique pour mettre sur ma coiffeuse. Ça fait je sais pas combien de temps. J'avais réussi à en trouver chez Jiffy grâce à une youtubeuse qui nous avait prévenu pour mettre les rouges à lèvres. Donc j'en avais pris deux, j'avais regretté de pas en avoir pris plus. Et là d'un seul coup ma mère me montre et elle voit ça. Donc le rangement maquillage exactement comme j'ai, hein. Donc ça c'était 2,90€ de mémoire, donc pas cher et tout, donc je commence à le prendre. Voilà, exactement comme ça, je vais le sortir rapidement, je me dépêche, voilà comme ça. Donc au final ma mère s'est pris ça et après elle va voir derrière et moi j'avais même pas vu. Et en fait il y en avait encore derrière. Du coup j'ai reposé celui-ci, vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai vu celui-ci. Voilà, donc là vous en avez carrément 12. Je vais vous le sortir, ce sera plus simple. Donc c'est la marque Cosmetic Organizer. Hop. Donc du coup j'en ai pris un aussi pour ma mère. Ah, je vais enlever. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc là vous en mettez 12. Là vous avez des choses comme ça. Enfin vous, voilà. Ça c'était 13,80€. Non. 6,90€, donc du coup j'en ai pris deux. Voilà, 6,90€. C'est largement largement abordable, hein, j'ai envie de dire. Donc du coup, voilà, vous comprenez pourquoi je n'ai pas pris le rangement rouge à lèvres simple. Et en fait, j'ai pris aussi celui-ci. Donc franchement, quand j'ai vu, j'ai pris tout de suite, j'ai même pas cherché à comprendre parce que ça. Moi j'en trouve jamais, je sais que de temps en temps il y en a chez Aldi, ça fait deux fois que je loupe les trucs, du coup là je l'ai pris. Donc voilà, quelque chose comme ça, donc avec les tiroirs et tout, donc il n'y en avait aussi que les tiroirs. Hein. Et là ça c'était 17,90€, bon, c'est pas hyper donné mais bon ça va encore, enfin, je veux dire. Donc ça se présente, donc ça c'est le dessus en fait. Ça c'est le dessus, donc là vous pouvez encore ranger 4 rouges à lèvres. Je sais pas si vous voyez bien. Là vous pouvez mettre des choses là, enfin voilà. Et hop, que je fasse pas tomber la caméra. Et juste en dessous, vous avez donc les 3 tiroirs. Et en plus dedans, il y a les petits trucs noirs antidérapants, donc c'est super. Donc là, hop, on met ça au-dessus, et voilà. Donc je suis super ravie, franchement, voilà, donc la bonne info, je vais vous mettre aussi les photos sur Instagram pour vous montrer tout de suite, pour que vous fonciez, si ça vous intéresse. Moi je suis super contente d'avoir trouvé ça, donc voilà, je vous partage l'info. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, enfin petite grande vidéo quand même. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.